Demain nous appartient, Valérie Caprice qui rejoint le de la série, découvrait son rôle. Depuis son apparition sur les écrans en 2017, Demain nous appartient s'est imposée comme la série phare de TF1. Pour maintenir l'intérêt des fans et pimenter les intrigues, chaque année de nouveaux personnages font leur apparition dans le feuilleton. Il y a un peu plus d'un an, Emmanuel Moir a rejoint le casting pour incarner François Levaux, le professeur de français du lycée Agnès Varda. De nombreuses zones d'ombre planent au-dessus de ce personnage dont on sait seulement qu'il est séparé de la mère de son fils depuis environ 2 ans. La prochaine saison s'intéressera notamment au passé énigmatique de François Levaux, en abordant les méandres de son enfance. Je n'ai pas plus d'infos sur ça mais j'entends quand même des bruits. Ça ne me paraît pas improbable que le passé amoureux de François débarque et que la mère d'Adam arrive. Mais pour l'instant, je n'en sais pas plus, avait expliqué Emmanuel Moir en septembre dernier lors d'un entretien accordé à Allociné. Afin d'explorer le passé de François Levaux, un nouveau personnage va prochainement faire son arrivée dans Demain nous appartient. Mercredi 23 novembre, Télé Loisirs a révélé que l'actrice Valérie Caprisky rejoindra le casting pour incarner Muriel Faure, l'ex-maîtresse du père du professeur de français. Il y a 30 ans, alors que François Lao était âgé de 13 ans, son père, Alain, a abandonné le domicile familial sans donner d'explication. Depuis, François est resté sans nouvelles de son père. L'arrivée dans sa vie de Muriel, celle pour qui Alain a vraisemblablement quitté sa famille à l'époque, va venir chambouler la vie du professeur de français. Valérie Caprisky, connue notamment pour avoir joué dans Un si grand soleil sur France 2, a déjà commencé le tournage du feuilleton, actuellement en pause à cause de la Coupe du Monde. Demain nous appartient, qui rassemble chaque soir plus de 3,5 millions de fidèles, sera de retour sur TF1 le lundi 19 décembre. Une nouvelle qui ravira les fans.